Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici sur World of Tank en Object 752. Vu qu'on m'en a un peu parlé dans les commentaires de mes précédentes vidéos, on m'a dit pour certains que c'était votre char préféré, enfin pour une personne en tout cas. Donc je le joue un peu pour vous montrer un peu ma façon de le jouer, si j'arrive à faire quelque chose de décent du moins. Qu'est-ce qu'il dit lui, I have optics, so maybe. Ouais, profitez-en, mon ami, il n'y a pas de light. Fonce, j'ai envie de dire, fonce Alphonse, on va essayer de pas gêner les collègues. Attention, il y en a encore là-bas. RH, donc je crois que c'était RHM, non, c'est un petit con sponsor. Il s'énerve, il tire dans le tas. Il s'énerve, il est énervé, il tire. Lui, il est énervé, il tire. Le mec, il est énervé, il tire. Bon, très bien. Ok, on se calme, Benito. On se calme, ne tire pas. Non, bah, j'ai pas rechargé de toute façon. Voilà que ça rentre chez moi, juste quand je fais le saut. Ouais, attendez. Voilà, ça c'est fait, alors. Très bien, très bien. Alors, VZ55 là-bas. Très bien, essayons de lui coller 2-3 bricoles. Sinon, peut-être pas quand même. Il recule, à mon avis, c'est vidé. Il a peut-être bound ses deux obus sur le E50M. Est-ce qu'on spot quelque chose à la colline, la petite Team Rocket là? Apparemment, non. Il dit Aïe Voptique, il est parti à la colline. C'est lui ou c'est l'autre? Je sais pas, c'est un des deux en tout cas. Tant pis, on n'a pas trop de spots à la colline, j'ai l'impression. Peut-être la ligne 2, là, non? C'est lequel de Léo? Il y en a de chaque côté, je ne sais pas. Le 50B, il descend là-bas. C'est quoi? Dans le doute, je vais réticuler là-bas. Ils descendent tous, c'est bon, il y a du spot, les gars. Ah, ça passe pas. Ah, bah, lui, il a pris le Chichi la Molosso. Chichi la Molosso. Belle game du Skoda T50 dans la foulée, les amis. Alors là-bas, ça pousse, j'ai l'impression. Non, ça pousse pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Attention, il y a Jack Panzer. Là-bas, il y a T54A des familles. Merde. Là, je vais au moins mettre un obus. Voilà, un obus. Parfait. Sur 3. Bon, belle moyenne de merde. Belle moyenne de merde. Alors, T54A, il continue de prendre. Allez, tirez-lui dessus, les gars. Tirez-lui dessus, tirez-lui dessus. Là-bas, 752. Mon ami, le 752, on n'a pas rechargé, donc on va pas se montrer là tout de suite. C'est quoi ça? 907. Un bon vieux 907. Toujours aussi pété, monsieur. Oui, toujours aussi pété. Il arrive à faire ses dégâts. On va voir ça, le lui là-bas, là. Ok, il est mort. Parfait, lui, il est devant. Ok, ça rentre. Il fonce dans le tas, j'ai l'impression. Ça rentre pas, celui-là. Ah merde, il a reculé, il avance, je tire derrière, il recule, je tire devant. Tout va bien, tout va bien. Il pourrait être mort là pour le même prix, quoique j'aurais dû faire un gros alpha. Enfin, quoique si j'avais rentré les deux. Oh voilà, ça fait deux obus sur 6, un peu la moyenne pourrie là. Le léopard, il avance pas chez nous. Voilà, monsieur Jean-Pierre là, le gros bon vieux monsieur Jean-Pierre. On tire à peu près le flanc droit. Je pourrais peut-être shooter monsieur Jean-Pierre là tout de suite. Ça rentre, merveilleux. Attention, je vais peut-être en prendre une de l'autre zozo. Ça rentre encore. Si je peux le finir, je le finis. Ça va être compliqué. Non, ça rentre pas. Cobra, il me bounce pendant ce temps-là. Merveilleux. Tant mieux, tant mieux. Personne n'a pu finir Jean-Pierre. Dommage. Ça peut mieux rentrer sur Jean-Pierre que sur le reste là. Ça me fait un petit 1600 de dégâts. J'ai eu de la chance de ne pas en prendre de ma droite. Donc il y a TVP qui couvre là au fond. Ça va être un peu relou. Patton Torque, j'ai 7 secondes de recharge. Espérons pouvoir le shooter sans prendre monsieur Jean-Pierre et toute la famille derrière. Normalement, on va peut-être pouvoir là. Il faut juste que je trouve ma dépression. Ça part là-bas. Attention, monsieur Jean-Pierre. On tire là au pifomètre. C'est pas passé. Qu'est-ce que ça dit là-haut? Attention, on va pas me faire shooter par le 907 malgré tout. Ça a l'air bon, ça a l'air de passer. Il a pas l'air d'être sur moi. Ah si, voilà, il me semblait bien. Je me disais aussi que c'était bizarre, là. Je me disais bien. Normalement, je suis plus spot, là, gentiment. L'UDES, il a pris le Jean-Pierre, là. Par contre... Ok, je suis à nouveau dans ma moyenne de barillet, là, de mettre un tir sur 3. Il me reste un obus. Alors, si on veut spot le 907, je dis pas non. Ils se font plaisir là-haut, le 50B en tout cas. Ah, là-bas, voilà, Zozo. Le Patton, Patton. Oh, ça bounce. Oh, la poisse. Oh, la loose. Oh, la loose Dédé. Ils l'ont pas vu, les Zozo à côté de moi, là. Et, ah, il est encore là-bas, là. Il est encore là-bas. C'est juste que je suis trop loin, apparemment. Maintenant, il est plus spot, mais bon. Normalement, ici.
Alors, est-ce qu'on a encore du spot sur la gauche là? C'est là que j'ai fait mes plus gros dégâts finalement, quasiment. Allez-y, spottez-moi le Patton, les gars, j'ai rechargé. Je recharge, il reste 4 secondes. Allez-y, quand vous voulez. Quand vous voulez pour spotter là-haut, non, ils ont pas envie. Le Patton là, il a pas envie de faire le noob. Un petit peu. Attention, le motion là, non, ça va, il s'est arrêté. On est bien placé ici, on attend le Patton. Le Sacred Bay, il spot pas malheureusement. Le petit motion là-bas, là, il est de l'autre côté. Motion et motion dans le flanc, parfait. Attention, 907. Est-ce qu'il est encore assez anglais? Oui, c'est ça, mets-toi bien de flanc, mon ami. Très bien, t'es mort. Attention là-haut. Oh, merde, on avait justement le Patton et le 907 là, dans la foulée. C'est pas grave, au moins on a sorti le motion. C'était des tirs plus assurés là pour le coup. Là, il y a les wagons, la locomotive qui vont leur gêner leur tir. Le Patton, il doit être beau là, là-haut, là tout de suite. Toi, t'es beau. Et le 907, il est beau aussi. Les one shot quasi. Patton là-bas. On va plus avoir de spot bientôt. Faut aider notre ami le 113. Il est pas rechargé, malheureusement. Plonge dans le trou. Merde, merde. 907 dans la foulée. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il va plonger aussi? Il est juste là. On a son petit cul, merde. Le Patton, il remonte là où je rêve. Oh, il lui monte là. Ah, très bien, ça rentre. 3100 dégâts, c'est correct, mais c'est 5 à 8. On va se faire rush là. 113 qui nous pousse. J'ai intérêt de reculer. L'Otis en est sorti face au Patton. Bien joué. Attention, le 907 maintenant. T'es un peu tout seul. Et le TVP va venir essayer de faire la différence, à mon avis là. Gentiment, méchamment même. Sur la colline. Voilà, pour mon avis. Le TVP va pousser là. Voilà, il est là. Voilà, il a tué le 113 au bord de l'eau là. Sur sa colline, on va s'écarter de là. On va peut-être essayer de spotter la ligne 2. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Pas attention à ne pas prendre dans les fesses là tout de suite. Qui est là-bas, là-haut, PTA. Vas-y, shootez-moi ça, les gars. Merde, mon tir qui rate. Et ça rentre, merveilleux. Ça va pas prendre dans les fesses, non, ça va encore. TVP là-bas, peut-être, là-haut. Conqueror. Léopard, il est reparti, du coup. Voyant que je l'ai spoté là-bas. Et on ne les a pas, le TVP, il recule. Le 50, il va en prendre dans les fesses, malheureusement, pour lui. Je pense. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais, voilà, il prend le conque. Je peux pas trop l'appuyer, là. Il y a la carcasse qui me gêne, en plus. La vieille carcasse. Alors ici, on n'a rien du tout. Le TVP, on ne l'a pas. On peut essayer de blind, hein, mais j'y crois pas trop. On va dire qu'il est là-bas. Ça part au pif. Malheureusement, c'est raté. J'aurais peut-être dû attendre de tirer le 113. Là, on se fait maltraiter. Voilà, le léopard là-bas. Il n'y a plus que moi et le MK2. Ça semble compliqué. 3400 dégâts quand même. Jusque-là, c'est correct. On est en pleine recharge. J'ai plus que des AP. 113 qui va essayer de me rush et le TVP qui va être dans mon oignon. Le PTA, le léopard, il va se jeter sur moi, à mon avis. J'ai la chance qu'il n'a pas trop compté mes coups. Mais quand même, là-bas, MK2 qui me rush le cocotier. C'est ça, montre-moi bien ton bas de caisse, mon ami. J'ai toute la famille sur le caillou. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, 4200. 4200 dégâts, c'est quand même correct. C'est une game sympa, l'air de rien. Ça devrait faire des crédits malgré la défaite. Quand même moins qu'en victoire, évidemment. Mais. Allez, c'est pas perdu, on va dire. bien sûr que si, c'est perdu. Bonne blague de Benito, les bonnes blagues de tonton Benito. Alors, il va pas gagner, lui. Non, il a pas gagné. Oh, qu'il est nul, il a pas gagné. Ils étaient seulement 9 en face, quoi. Il a pas fait d'effort, moi, je dis. Aucun effort, le mec. Ils sont tués entre eux là, les MK2. Ouais, un a tué l'autre. En tout cas, voilà, c'était la petite game du jour en 752. J'espère que ça vous a plu. Si vous pouvez lâcher le petit pouce bleu, voyons les résultats. J'ai pas fait de blind. Donc c'est 4200 de dégâts. Je finis top XP, deuxième au dégâts. 113 a bien tapé. Jean-Pierre a bien tapé. Dommage que je ne l'ai pas achevé. Qu'est-ce que ça dit les crédits? Ah non, je suis en perte, je suis en perte, je suis en perte. Moi, je tiens plus les trucs de Noël là, ouais, les munitions ça me coûte 102 000, faut que j'arrête de jouer à la gold là. En même temps, ce serait peut-être pas passé sur le motion, etc. Parce que de toute façon, on a perdu, vous allez me dire. Mais bon, pour farmer un peu les dégâts, voilà, il faut bien ça. Allez, à plus tard tout le monde pour d'autres aventures. Bye bye, merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.